détails. Ouais, j'ai vu qu'il y avait peut-être potentiellement un double étrier qui avait été monté, fut un temps. Un double, carrément. C'est pas ça, là. Bah je pense parce que du coup t'as la pédale au pied qui est connectée à rien du tout. Et il a laissé donc je pense qu'il y a eu un double. Ah, la pédale qui est connectée à rien ? À rien. Oh non, c'est ça. Ah ouais, le loup. En aile électrique, c'est ici, c'est comme les scooters. Ah, je suis désolé. Bah de toute façon, tu vas vite comprendre que pour les whales, c'est quand même assez instable. C'est soit t'as plein de patates et plein de puissance. C'est comme t'appuies sur un bouton, quoi. C'est ça. Tu mets le jus. Parce que t'as un coupe-circuit normal. Là, t'es en vitesse 2 et après, faut se mettre en vitesse 4. Voilà. Sur les lecs. T'appuies là sur le R. Arrêtez. T'as même la marche arrière. Donc voilà. Alors ça va, tu vois, quand j'accélère légèrement, j'arrive à gérer le dosage. Mais en whale, je sais très bien ce à quoi tu t'attends. Et t'as moins de précision, t'as moins de... Là, c'est... Comment te dire Voilà, c'est... Ça marche plutôt pas mal. Ça doit avoiner, effectivement. Ouais. Voilà. Je suis intrigué. Allez, c'est parti. Je te fais essayer ça 2 minutes. Vas-y, ça marche. Là, on est sur du sec et du plat. En 4, c'est bien. T'es sur du gras dans des descentes. Ouais. Bon, en 2, t'en as largement assez. Enfin, sinon, elle transpirait, en fait. Ouais, ça a patiné tout le long, tout le long, tout le long. Mais regarde. J'aime bien quand ça patine. Fait qu'elle a les cheveux. Juste un petit peu. Ouais, ouais, ça marche un peu. Ah ouais, d'accord. Va, tu le bazar. Ah, elle a l'air de marcher, gros. Là, ça a un peu l'air d'être à l'avion. Hein? C'est que des fois, elle cafouille. Ouais, c'est même pas qu'elle cafouille. Ouais, il y a des fils qui se baladent, qui berloquent. Et c'est pour ça que le câblage, je vais mieux le refaire. Oh, bah, c'était surtout un proto, celle-là. Des fois, quand je fais ça, ça marche. Ça remet en route. Faut taper dessus. Ne me demande pas pourquoi. J'en sais rien du tout. Faut qu'on ait un truc propre. Et qu'elle casse plus les couilles. Ouais, ça c'est un pas que les 300 80 et des brouettes. 97, je crois. Ouais. J'ai fait un tour de rond-point et je suis rentré de secondaire sur la vente. Ah, c'est ne me demande pas comment. À la rue des piles. Ne me demande pas comment. C'est le Saint-Esprit. Je mets mon cax pour mon intégrité personnelle. Allez, parti. Bon, t'as compris que si elle s'éteint, je ne t'en voudrais pas. C'est le. C'est que la pile. Ouais, enfin, ça s'éteint de temps en temps. Il est beau ton casque. Ah bah oui. Il manque un petit mot dernier mot, mais il est beau ton casque. Ah vas-y. Bah fais-toi plaisir, tu vas voir, découvre les freins et tout, ça freine, ça va. C'est pas du mordant de ouf, mais ça freine. Un puriste en thermique, il découvre de l'électrique. Alors forcément il a mis un casque intégral, on verra pas trop ça dit. Je suis sûr qu'il va avoir ici jusqu'aux oreilles. Alors là je l'ai mis en vitesse 4, en plus c'est pas un petit peu. La chaîne. Ça claque un peu. Ah, on fait pas le même poids apparemment. C'est incroyable. Mais ils sont bons de dire. Bah si tu la jettes, laisse tomber. Hein. Ouais. Si tu la jettes, ah ouais. Tu sens qu'elle... Elle s'en lâche, elle a envie. Hein. Tout au coup. Ça y est, commence à prendre la main tout doucement. Ça y est, commence à se sentir à l'aise. De plus en plus. Sur la moto, c'est franchement impressionnant quand t'accélères. Mais c'est ça, c'est... Et alors, tu l'as pas trop fait, mais il y a des fois où tu sais, elle va drifter, oh, et d'un coup, elle va reprendre du grip. Mais je peux te dire qu'elle part comme ça, elle te donne des à-coups. Imagine cette puissance sur l'autre. Où le cadre, il est un petit peu plus grand, les roues, ils sont faites pour, les suspensions aussi et tout. Et le cadre, il est à l'ancienne, tu vas sentir tout ce qui se passe. Ouais, ouais. Là, il est à ligueur, ça, c'est une. Franchement, je m'attendais pas, quoi. Quand tu passes du thermique à ça, c'est... Bah bizarre. Ouais, est-ce que toi t'as l'habitude de moi, ton embrayage et tout ça. Moi j'ai jamais entendu truc électrique. Ah ouais, moi c'est... Faut pas croire, hein, c'est... En fait, comme j'ai plein de motos différentes, c'est super compliqué de passer de l'une à l'autre et ouais, tout. Ouais, bien sûr, ouais. T'as un embrayage, t'as un frein au pied arrière, t'as... c'est un poulain, poulotte, c'est vraiment super chaud. Non, je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça, c'est... Et alors, première fois que j'entends claquer la chaîne comme ça, mais je crois que c'est le poids.
Ou elle doit pas être assez tendue. Je pense que... Ah ouais, non mais c'est ça, hein, faut... Ouais. Moi j'en fais un peu moins, et encore ouais, tu vois elle s'est détendue je trouve, par rapport à d'habitude. Je ne m'attendais pas à ça, ça marche hein. Ça marche fouille. Ah, mon copain. Il faut là où il faut. Tu as connais pas encore bien. Ok. Tu n'as pas envie de la casser. Sur la réaccélération dans les virages, ça va bien le maîtriser. Tu vois qu'elle a l'air de vite. Ouais. Pas plus de la chose. Bah ouais. En plus, je suis dessus, hein. Ouais, ouais. Je suis dessus devant et là, non, ça part. Et tu vois, normalement, je fais des trucs comme ça. J'arrive même pas, c'est de puissance. La boule après comme il est beaucoup plus léger aussi que moi ouais bah ouais je pensais que tu pouvais faire mauvais que l'automobile non bah, je maltraite la mécanique c'est comme ça qu'on apprend les limites pas me dire de ça, la limite. La moto elle va finir 400 et alors j'ai pas encore réussi à faire les figures où ah je repars en arrière et je repars en avant elle marche à l'ouest ouais. Ouais, c'est la main, hein. Ouais, moi c'est parce que bon. Ouais, je pense que c'est ou alors il y a. Non, c'est pas la chaîne. Non, t'inquiète pas, il y a plus. C'est juste la pédale. Tu veux essayer? Non, ça va. T'es sûr? J'ai pas de casque, rien. Après, moi les motos, là j'ai pas encore mon permis. Donc, bah, c'est pour se casser la gueule et pas commencer la journée comme ça, c'est moyen. Je l'ai appris. Ouais. Brièvement roulé, ouais. Je lui ai montré comment passer les vitesses, il est parti, il vous a fait 30 minutes de moto. Ah ouais. Fait, j'adore. Ah bah ouais, tu vas adorer les motos électriques alors. Oh là 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 là. Les petits Dax. Déjà moi avec l'embrayage ça sera déjà bien. Ouais mais c'est ça, mais c'est tout mou. Bah bon, on va faire les coins à côté. Tu vas aller se refroidir un peu. Ouais, globalement je pense que tu peux le matraquer plusieurs heures comme ça, il se passera pas grand chose. Tu veux prendre laquelle? La bleue elle était bien. Vas-y hein. Ah oui, le crack to pelle. Ça c'est de la belle pelle. Un rêve d'avoir ça en saison. C'est le tien? Ouais, ouais. Ça va, tu t'es pas... Non, ça va. Ouais, j'ai l'habitude. Je te fais faire un petit tour du propriétaire. Idéalement, à partir là-bas. Idéalement, faut partir là-bas. C'est dur, hein. Et celle-là, elle est plus haute encore. Ouais, je sais. Mets l'avant dans le trou. Voilà, monte dessus. Là c'est bon, là vas-y. Là t'es mieux. T'es en 3. Mais bon, tu me suis, on fait un petit tour. Là on va pouvoir reprendre ici.
Attention obstacle là. Je te dis pas le parcours enduro. T'en peux plus? Ah mais moi j'ai mal partout là, j'ai mal aux jambes. C'est normal. Bon ça va, toi tu tiens bien par terre. Alors là je vais te la mettre en route. On la met pas trop puissante. Pas de soucis. Il est chaud le passage là. Ouais. Technique à mort, faut pas s'arrêter. Là-bas faut vraiment pas que tu t'arrêtes. On va faire un tour ensemble si tu veux. Vas-y. J'étais en 4, ouais, je crois que j'étais en 4. Ça devrait aller normalement. Mais mets du gaz, essaie de pas perdre ta vitesse, faut pas t'arrêter. Là si je mets le poignet. Ah ouais ça marche. Frein arrière, frein avant. En gros moi je freine jamais de l'avant, je reste que sur le frein arrière. Pour la KTM ? Allez je veux bien, je vais faire un petit tour avec. Je vais essayer celle-là ici. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle fait moins de bruit de chaîne que tout à l'heure. Elle mettait des petites claques. Et là elle en fait plus. Peut-être qu'elle s'est remise, elle s'est refaite. Elle a peut-être pas kiffé mes 106 kilos. Ouais mais peut-être que tu sais, il y avait un point dur sur la chaîne et qu'il a sauté. Ouais bah tant mieux, ça lui fait du bien. Prêt ? Allons-y. Allez. C'est ça. Et c'est là, debout. Faut pas t'arrêter, faut pas aller dans les trous. Au top. J'ai failli dégager de la moto. Tu veux rouler un peu? Je crois que Dédé il kiffe. Hein. Ouais, il va venir souvent en terrain. C'est fatigant hein, Dédé. C'est la hein. Deuxième fois qu'il roule. Ça va? Pas trop fatigué sur les bras et les jambes? Ça va. Après, il est grand aussi. Après, prochain exercice, faut se mettre debout. J'ai essayé un peu, mais c'est parce que des fois, il... Ouais, c'est pas intuitif. Hein. Mais en fait, t'as plus d'équilibre debout. Ouais. Je sais, c'est bizarre, mais...
Puis tu sais, je le voyais bouger ses jambes. Je lui ai dit, serre tes jambes. Ouais. Souvent, quand tu serres tes jambes, la moto, elle se restabilise. Ouais. Et quand ça balance, tu jettes ton genou à l'opposé. Tu sais, il roulait, mais comme ça. T'as essayé celle-là? Non. Après, si t'as envie d'essayer. Non, celle-là. Elle est différente, c'est pas. Tu veux faire un échange? Tu veux essayer celle-là? Vas-y. Elle est plus haute, celle-là? Ouais, ouais. Elle est un peu plus haute. T'as intérêt à moins t'arrêter, t'as intérêt à mettre du gaz. Celle-là, elle est un peu plus molle. Sur l'accélérateur, tu vas voir, tu devrais moins te faire peur avec celle-là. Mais par contre, celle-là. À un moment, j'ai eu un coup d'accélérateur. Waouh! Par contre, ouais, tu fais pas du tout le même poids que nous. Non, non, non. Elle est écrasée, la bécane. T'allumes comment? Je l'éteins pour toi. Là, bien vu, Dédé. Faut toujours l'éteindre. Donc, 0, t'es neutre. Et dès que tu mets une vitesse, t'es sur 1. Et je pense que pour rouler, tu restes sur 4. C'est bien, 4. 3, 5, elle a trop les chevaux? La vache qu'à 9. Oula. Ah, 9, ça arrache le macadam, mon pote. J'ai pas envie de me torpiller dans le décor non plus. Autant parce que je suis petite. Du coup, hop, le petit pavé. Hop. Impeccable. Impeccable. Alors, gros, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, tu kiffes? Ouais, mais c'est. Usant. Ouais, bah vas-y. Je vais prendre la relève. Vas-y. Hop. Elle est lourde en plus, celle-là. Alors, je sais pas si on a. Tu préfères. Oh, excuse-moi. Tu préfères l'une ou l'autre? Ouais, je suis plus allé sur la grande. Sur la grande? Ouais, t'es plus grand. Oh putain, j'ai plus le droit. J'ai fait le touquet plage ou quoi? Hein? J'ai fait le touquet plage là. Ah non. Impossible. Elle aurait pas de batterie en 2 secondes. Le touquet, tu fais que mouliner là. Ouais, je sais. Là, ce qu'on fait, c'est pas du cross, gros. Et là, notre parcours, il est plus difficile qu'un terrain de motocross parce qu'il est vachement accidenté sur quelques mètres. Ouais, c'est l'équilibre. Ouais, et ils peuvent pas tracer comme des fous, t'as vu comment c'est, enfin, ouais. Ou alors ils survolent partout. Ouais, je mets au défi un gars de venir un vrai pro et je suis sûr il fait pas un énorme score. Après, il y a une belle ligne droite, je sais pas si tu l'as vu. C'est là ? Juste après, il y a vraiment une belle ligne droite. Faire des wells, c'est bien. Vas-y, monte à moi, là. Wow ! Bon, ça va. Tant que c'est qu'une crampe, ça va. Après, t'es dans l'effort depuis tout à l'heure, hein. Tu t'en rends pas compte, mais t'es dans le dur, gros. Ça chauffe, hein. Oh, c'est dur, hein. Ouais. Qui c'est qui dit que c'est pas du sport? Tu fais les bras, les jambes, tu fais tout. Bon. Bah vas-y, on va remettre les motos, il y a Dédé. Et puis je vais vous montrer autre chose. Comme dans la batte là, est-ce que t'as vu ou pas? Moi, mon chouchou, il me nique le crâne, comme vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai une calvitie, donc j'ai pas de problème. Ouais, là, il y avait un mulet. Comme moi, c'est plus trop mulet. Ouais, c'était pareil. Je fais les côtés, je laissais le dessus, mais au bout d'un moment, je l'ai. Tu l'as c'est de la poser. Aussi épuisant. Ouais, le cross, c'est épuisant. C'est pour ça que faire des sessions de location de 20 minutes. Toi, tu fais 20 minutes, t'es crassé. Hein. Ouais, non, alors, fatigant ou pas? Quand même. Hein. Franchement. Bah ouais, ça crasse. Hein. Moi, qu'on bouge comme des gros sacs. Ouais, ouais mais bon. Je trimballe 106 kilos. Oula, faut que j'arrête. Mais il y en a plein qui pensent que la motocross, c'est pas du sport. Oh putain. Oh, bah, mais les couilles, aussi, là, les couilles là. On fait les bras, le cardio, ouais, les jambes. L'équilibre. Les avant-bras surtout. Ouais. Ils étaient congestionnés. Ceux qui aiment picoler ou fumer des pétards et tout, bah tout de suite ils sont perdus. Toutes ces sensations. Donc ça aussi c'est bien. C'est bien. Même, tu vas pas vite, c'est tu pas un sport d'idiot, c'est un sport d'intellect. Et il faut vite réfléchir ses trajectoires. C'est en fait. Réfléchir comment venir dans le virage, pas trop aller vite, où prendre les freins. Et en plus le terrain il est très traître parce que là c'est vraiment accidenté à mort. C'est pour ça que pas tout le monde. Toi tu peux poser les pieds. Oui. Ouais, pas nous. Non. Mon gars, et si on pose un pied, une cheville, c'est on se la casse. Jette la moto. Sauve-toi le plus vite possible la moto. C'est un peu ça. C'était la première fois que j'en ai eu. Même par terre, c'est pas grave. Tu sais, quand elle tombe. T'arriveras pas, tu vas te... Ah si, tu peux prendre par là. Bon, je voulais prendre 5 minutes pour remercier Dédé et Léo d'être venus avec moi passer cette journée. C'était la première pour moi, une journée abonnée.
j'avais pas forcément d'idée en tête sur le déroulement, le scénario, comment ça allait se passer, ce qu'on allait faire, etc. On se l'est fait au feeling et finalement on s'est occupé toute la journée. Ils ont découvert les friteries de la région, ils ont découvert aussi un petit peu les espaces verts qu'on avait à disposition, ils ont kiffé. On a fait de la moto, on a fait du bricolage, on a fait de la soudure, on a creusé, on a cassé un moteur, on a fait des wells, on a fait une session de stunt, on a fait plein de trucs, enfin franchement on s'est vraiment bien éclaté. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous on en a eu à le faire, à tourner cette vidéo. C'était vraiment génial. En tout cas, bah, j'espère rencontrer encore plein d'autres abonnés aussi intéressants que Dédé et Léo. Et à refaire. Toi aussi, t'as kiffé, n'hésite pas à commenter et partager la vidéo aussi. Ça nous permet justement de rencontrer plein de nouveaux abonnés et de faire des super belles rencontres. Donc je compte sur toi aussi pour liker, commenter, me mettre un petit peu ce que t'en as pensé et surtout de la partager sur tes réseaux. Et on n'oublie pas aussi les gars, avec les t-shirts Modernimo, vous avez le droit à des réductions sur tous les partenaires participants du secteur. Et surtout, le plus important pour vous, il y a une moto à gagner. Donc on n'oublie surtout pas d'aller liker la petite vidéo et tout. Sur TikTok, ils sont à ça, hein, de battre tous les autres réseaux pour vous passer devant. Donc traînez plus, allez-y, je compte sur vous tous. Vous allez voir, à mon avis, là, dans même pas un mois, les tirages au sort, il est fait. On fait le tirage au sort à partir de 3000 abonnés. Donc dépêchez-vous, il y aura, c'est limité en termes de place. Et ça va être un petit jeu concours où vous avez vraiment toutes vos chances. Des bisous, j'arrête. Laissez un petit commentaire. Des bisous à vous tous. A plus.